Stéphane Theriault, bonjour. Bonjour. Président du directoire de Cogedim, l'un des acteurs majeurs de la promotion immobilière en France. Alors après une année 2015 marquée par le retour des investisseurs, 2016 sera-t-elle marquée par le retour des accédants à la propriété? Bah oui, je pense, parce que on a un environnement de taux d'intérêt qui est favorable depuis tout début 2015, mais surtout en 2016, on a l'avènement du PTZ qui est extrêmement efficace avec des possibilités à la fois quantitatives, c'est-à-dire en montant d'emprunt et en durée de différé de remboursement, qui sont très très importantes. Et donc effectivement, à l'heure actuelle, dans nos chiffres, on voit qu'on a un retour des primo-accédants, comme nous les appelons, mais on a un retour qui est aussi légèrement, enfin qui est compensé par un maintien très important des investisseurs. Hein. Donc toujours. Je crois en valeur absolue, les deux montent. Chez Cogedim, on est environ à 55-45, 55% d'accédants et 45% d'investisseurs. Mais tout ça dans des volumes en très forte augmentation qui font qu'aujourd'hui, on a un point d'équilibre qui me semble intéressant. Alors comment expliquez-vous justement cette bonne santé du marché du neuf? Les taux. Les produits qui arrivent. Je crois que nous avons. La profession a beaucoup travaillé ces deux dernières années pour développer son portefeuille d'offres. Donc, on a des offres attractives qui se concentrent essentiellement dans des zones tendues, dans les grandes métropoles. En ce qui nous concerne, nous intervenons dans les 11 plus grandes métropoles qui ont un solde migratoire extrêmement important. Dans les 11 métropoles dans lesquelles nous travaillons, 750 000 personnes sont arrivées depuis 5 ans. Donc, les besoins en logement, là, sont très, très importants. Donc, il y a une offre et une demande qui se rencontrent. Il y a probablement une conjoncture d'éléments exceptionnels. Des prix qui se sont ajustés pour le haut de gamme en 2013-2014. Qui reste élevé quand même. On est à 4006 euros par mètre carré en Ile-de-France, près de 4000 euros moyenne, on va dire, nationale. Bon, ça reste quand même élevé. Oui, c'est élevé, mais ce qui compte, c'est la solvabilisation des acquéreurs. Il y a cette volonté d'achat. Soyons clairs, les rendements de l'assurance vie sont en chute presque libre. Donc, l'attractivité de l'investissement immobilier sur une période longue n'est pas à démontrer. Donc, certes, les prix sont relativement élevés, mais ils sont abordables. En fait, on a resolvabilisé notre clientèle et au fond, c'est ça qui compte. L'investissement immobilier, c'est vraiment le meilleur placement pour la retraite pour vous aujourd'hui? Écoutez, je pense que quiconque a investi dans l'immobilier ces 10, 20, 30, 40, 50 dernières années n'a jamais eu à en souffrir et ne l'a jamais regretté. Donc je ne sais pas si le passé va prédire l'avenir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans un monde qui est dangereux, extrêmement volatile. Les actions, les marchés actions ont laissé pour les particuliers des souvenirs mitigés. L'obligataire ne rapporte plus rien. Donc je pense que ce qu'on appelle les actifs réels, c'est-à-dire l'immobilier et les infrastructures, ont un grand avenir quand même encore devant eux. Quels sont les grands enjeux de demain ? Je crois que c'est l'accélération de la construction. Je pense que la compétitivité du pays est liée au fait qu'on puisse construire des logements là où on a tout. Tout, c'est en fait les grandes métropoles. J'insiste un petit peu là-dessus, mais je pense que la régionalisation de la France est en train de se faire par l'économie, si elle ne se fait pas par le politique, même s'il y a eu des changements de ce qu'on a vu là récemment. Il faudrait, selon vous, régionaliser les politiques du logement? Je pense que ce serait... En tout cas, je pense que plus on est proche du terrain, meilleur on est. On le sait, on a des grands-mères bâtisseurs qui ont modifié de manière très, très importante leur ville. Je cite, on va citer Gérard Collomb et Alain Juppé, qui ont fait un énorme travail dans leur métropole, ils les rendent plus compétitives. Et aujourd'hui, ces grandes métropoles n'ont rien à envier à Paris, si ce n'est voir elles sont plus attractives, puisque les prix sont quand même moins élevés, on a une forme d'héliotropisme, on a la culture, les emplois, l'éducation. Donc moi, je crois beaucoup à cette dynamique. Et dans ces villes-là, il faut effectivement être plus incitatif pour les maires bâtisseurs. Comment travaillez-vous justement avec les municipalités? On sait que la Fédération des promoteurs immobiliers a dénoncé certaines chartes en disant qu'il y a des maires en fait qui imposaient des prix, qui imposaient des typologies de biens, que ça allait beaucoup trop loin. Ouais. Moi, je crois que avec les maires, on a des relations de partenariat. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on nous laisse faire notre travail. Nous sommes avant tout des investisseurs. C'est nous qui prenons le risque. On achète les terrains, on construit. Nous savons comment vendre, à qui vendre. Bien entendu, on peut entendre la nécessité d'appartements familiaux. On sait très bien que les 4 et 5 pièces se vendent beaucoup moins cher et beaucoup moins bien. Donc là-dessus, moi je suis pour une
concertation raisonnée. Il est parfois un peu choquant que, effectivement, des maires nous imposent des chartes qui sont en contradiction avec des PLU. Donc ça, il faut effectivement éviter ces abus. J'ai le sentiment, malgré tout, que c'est depuis 2-3 ans, la qualité du dialogue s'améliore. On est dans la défiance est moins importante. D'accord. Entre l'innovation, qui est le cœur en fait de votre métier, et puis des besoins traditionnels de se loger, comment vous positionnez-vous? C'est une bonne question. Moi, je pense que dans l'immobilier, il faut faire des choses qui fonctionnent. L'innovation, on l'a fait rentrer sur la base de process itératifs. Chez Cogedim, on a 250 opérations en cours à l'heure actuelle. Donc, nous faisons des tests. Quand les tests fonctionnent, qu'on a des retours d'expérience qui sont bons, nous continuons. Je mets de côté, bien entendu, toute la performance environnementale qui, pour moi, fait partie du contrat de base, est intégrée est derrière nous. Toutes les innovations dont nous parlons, que ce soit dans les usages avec les pièces en plus, les espaces partagés notamment, mais aussi tout ce qui est lié à la connexion, la maison connectée, l'Internet des objets, tout ça, on en est au début. Il faut absolument l'intégrer. Les promoteurs n'ont pas vocation à être des industriels de ce métier, mais des intégrateurs, et surtout à donner aux industriels le feedback des utilisateurs. Donc là-dessus, moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire. On teste énormément. On a une liste très importante, opération par opération, les dernières étant notamment le cadre d'un partenariat que nous avons avec La Poste, des boîtes connectées qui sont des conciergeries privées qui fonctionnent avec des SMS qui sont très efficaces. Bon, on livre, on fera le point dans 6 mois, 1 an, voir si ça devient une norme absolue ou savoir si au contraire, on part dans une autre direction. Et tout ce qui est construction, notamment avec la maquette 3D, c'est des choses que... Oui, on utilise le BIM dans le cadre de la conception de nos projets, on utilise la 3D dans le cadre de la commercialisation de nos projets, notamment dans des partenariats avec votre groupe. Moi, je crois qu'il faut... Le digital est très important, il faut absolument que nous le fassions tous, ça va devenir la norme, mais ce qui me paraît aussi important, c'est de ne pas perdre le contact avec le client, le contact en direct. C'est pourquoi notamment chez Cogedim, nous allons inaugurer très bientôt le Cogedim Store, qui est un peu l'Apple Store de l'immobilier, dans lequel nos vendeurs, nos architectes vont pouvoir rencontrer des clients et les aider dans le cadre de cet espace hyper qualitatif, à la fois à réaliser ce que c'est que un séjour de 25, 30, 35 mètres carrés, puisqu'on est, dans la 3D, mais aussi à bien comprendre toutes les prestations que nous livrons. Le problème du digital, c'est qu'on perd un peu de vue la qualité perçue, ça peut niveler d'une certaine manière toute l'offre, alors qu'en réalité, nous pensons en tout cas chez nous, que nous portons une attention à certains détails et que ces détails ne peuvent être réellement communiqués que par, le toucher. D'accord. Et pour terminer, les projets les plus emblématiques, quels sont les grands projets au niveau résidentiel de Cogedim? Je ne résiste pas, dans le cadre de notre ADN haut de gamme, de vous parler de notre commercialisation en cours de la Porte d'Auteuil. Nous avons, 16e. Dans le 16e, que nous avons lancé en tout début d'année et qui se passe très bien. Il nous reste encore à peu près une trentaine d'appartements à vendre. Donc c'est une opération très très emblématique. Très emblématique aussi de la difficulté à construire dans Paris. Donc ça, c'est en cours. Nous allons commencer la construction. Donc on va commencer à réaliser un peu les volumes que vont représenter ces immeubles qui sont réalisés notamment pour l'immeuble en accession par un grand architecte berlinois qui s'appelle Finn Geipel. Et puis enfin, nous allons lancer en septembre une très belle opération rue Campagne Première avec l'architecte Francis Soler. Pareil. 14e. Voilà, même histoire. Difficulté à obtenir des permis, mais maintenant que nous les avons, nous allons pouvoir à nouveau montrer ce que nous savons faire en matière d'immobilier haut de gamme, de luxe dans Paris, mais dans une grande modernité. C'est donc à suivre. Stéphane Theuriot, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.